Yo l'autre fois, gros bonjour à tout le monde. Merci parce que avec nous dans l'ESA sur Haiti News Hour. Et c'est un plaisir pour nous rejoindre pour une autre vidéo. Si c'est la première fois visiter nos informations, nous partager ou intéresser, pas oublier pour abonner avec Haiti News Hour et puis ouvrir chaîne notification. Ça permet chaque fois nous poster une vidéo sur chaîne là que j'ai une information sans problème. Samedi pour l'ouvrir. Hier dimanche là, monsieur Le Mandela Antoine, mais mon okayo plus connaît monsieur sous nom Tiati, c'est chef gang Torbeck qui t'a terrorisé population zone ça jusqu'à Chantal. Et après plusieurs mois, il est passé dans Maron, dans le département côté commissaire Richemont et la Guédéiel. Monsieur t'es tenté de retourner. D'ailleurs, il a gagné 2 semaines depuis le retourné dans zone là et depuis le retourné. Qui était recommencé par les problèmes après une dernière opération paquet fait pour te ouais si était capable de trapper monsieur li retourner Port-au-Prince côté finalement la police pral arrêter monsieur dimanche samedi soir plutôt sous portail Léogane. Donc n'a pas appelé actuel directeur départemental l'Ouest police là Serge Alain Jolicoeur qu'on est citoyen ça très bien puisque il était travail dans direction départementale sud là donc monsieur il a cherché au cas et finalement yo metté main dans collecte les là week-end non portail Léogane avant longtemps a gagné pour transférer monsieur dans au cas. Oui. Et nous aller et port de pain pour nous al planter des corlans dans on après parler avec commissaire gouvernement port de pain maître Michelet Virgile concernant saisissant qui fait qu'agent douanier la police la justice qui eux même saisi pendant un week-end je nous dis là 120 000 cartouches à travers 157 caisses cartouches différents calibres. Commissaire, bonjour. Peut-être reprendre ensemble information qui t'a circulé et que nous t'es bail tout sur Radio Caraïbe qui a un rapport avec Cézissa. Qui ça? Dernière information yo yé sous question ça. Eh bien, dernière information dans nous et 920 000 cartouches, 91 000 cartouches qui t'a saisi et dénombré. Mais vous faites du compte là, il y a 74 000 cartouches de 76 qui est en boîte à 1000. Et puis il y a environ 37 000 cartouches qui est en boîte encore à 5. Ça fait que dans notre compte qui baille, il y a 11 000, on est de 120 000 cartouches. C'est tout le monde qui a gagné information, ça qui plaît dans l'esprit. Suivant et appel que la douane a fait à partir de Port-de-Paix, nous sommes obligés de mettre une équipe solide qui nous permette que nous arrivions à faire fouille sur environ 16 boîtes qui ont gagné des munitions qui étaient dans le WAF Port-de-Paix. Et boîte ça, il y a un rapport à monde qui fait importation dans le pays d'Haïti. Ça fait que par rapport à l'opération qui a fait par nous, il y a permettre que nous-mêmes. On va aller faire une autre opération. En dans l'opération, ça, on va découvrir deux pistolets de calibre 9 mm avec un pistolet de calibre 38, un chargeur Uzi 344 et cartouches de calibre 9 mm, 35 cartouches de calibre 38 mm, 25 cartouches de calibre 56, 3 cartouches de calibre 357, et puis avec une somme d'argent de 817 772 plus. 3950 dollars américains, deux passeports tirés au nom de Cola Juliana et des Clotis Cola, et puis il y a 4 signes qui expirent tout au nom de Cola Juliana. Et à partir de l'opération, nous posons sur les cas qui ont déroulé, car ils étaient capables de propriétés et dit la France, ils ont d'abord exporté, mais qui importe des amis dans le pays d'Haïti. Et puis l'opération, ils ont parlé de la finie. Ou à plat, côté nous, il y a des nombres 74 et boîtes, disons, caisse cartouches à 500 cartouches d'année. Et puis nous, il y a 54 l'autre boîte tout qui gagne 556 à 1000 unités là-dedans, plus 30 chargeurs AK-47, 20 fourgons pour chargeurs AK-47. Et puis, nous, ça, c'est gagné en même pour le moment. J'ai le suite qui était travailleur qui t'a placé. Et remettre colis à eux à l'autre monde qui est habité chez vous, mais pour le pouvoir. Voilà. Donc,
c'est un seul monde qui arrêté et l'autre monde qui gagnait non yo sous document qui était voyé zam sa yo cartouche sa yo en Haïti qui ça qui qui prend comme qui ça fait comme suivi pour dans cadre de pas dans cadre de ça. OK, pour le moment pas que mettre à côté des mouvements contre dit la France contre Marie dit l'estimable et puis contre Wilfried tout estimable néné et tout l'autre monde nous a gagné comme information là dans tout n'a fait signer. Pas qu'il n'y ait pas de permis d'interdiction de départ de compter avec la douane et l'immigration contre Batoua et contre le pays de Batoua tout. Et on a fait suivi tout par rapport à ça qui peut permettre que il y ait de nouvelles perquisitions qui faites au bout de journée là pour permettre que nous gagnions une inquiétude d'esprit par rapport à toutes ces armes et munitions qui ont rentré dans le département nord-ouest. Pour dire, en plus, le monde dit que zone ça, c'est un passoire que les Verbriers, ils s'allient comme transit qui permettre que dans tout le monde qui va avec matériel dans le pays d'Haïti. Mm-hmm. Donc, bateau a, en tout cas, saisi au fait qui joue exactement Vendredi, mais ça qui est dommage dans la situation là, il y a un matériel là qui est dans le jour, dans jeudi 30 juin, mais c'est vendredi 1er juillet par rapport à pourquoi que Colio même de gagner, qui est suspect, qui fait que l'agent douanier est obligé d'alerter la justice pour permettre que nous fassions une fouille systématique et nous demandons tout dans tout. Reste colis qui est dans le bateau pour que des fouilles qui fassent plus haut pour nous garder minutieusement qui s'agit dans le colis. Dommage, c'est pas pour ça que nous-mêmes nous avons débattu, mais ça arrive là. Mm. Au nom des intérêts supérieurs de l'État, nous sommes obligés de prendre les mesures qui s'imposent et qui permettent de fouiller de fond en fond tout ça qui est dans le bateau. Non, mais colis, ça a été débattu depuis jeudi. Il y a le jeune qui est. Est-ce qu'on connaît qui est qui est venu prendre ou qui est le jeune? Et selon l'information, Jean-Élus Banou, c'est un tête de nénè qui connaît habitude déjà venu pour courir dans même, c'est monsieur qui t'a gagné. Mais malheureusement, aller à la recherche, monsieur, ne peut pas jouer. Et monsieur, même rentrer côté lié, côté quelqu'un à côté lié, n'a pas obligé de mettre sur lui parce que c'est un habitué dans ce service-là qui permet que lui-même, ce travail ça que lui-même lui fait personnellement, et c'est de ça lui-même lui vivre, pour courir dans même pour distribuer, et c'est ça qui fait que. Ça c'est bien au lien étroit avec Edith la France qui pour permettre que vous puissiez découvrir qui ça a été véritablement comme mission dans le cadre de travail. Il y a une information commissaire qui laisse comprendre dans le colis, suspect, ça y est, et il y a allé avec vous. Est-ce que c'est vrai? Si oui, est-ce que il y a un perquisitionnement qui fait dans ce sens? Est-ce que nous arrivons à prendre ça et il y a mis la caillou parce que il y a commencé à prendre là-dedans? Oui, et depuis jeudi 30, l'information a été. L'information va être vendredi. Donc, ça, c'est possibilité pour que nous allions joindre et colis qui est en bas. Malheureusement, colis a été déplacé. Et selon l'information, nous avons annoncé l'île de la torture à aller avec colis. C'est ça que nous avons cherché là, ensemble avec des centres départementales là, pour regarder dans qui mesure nous sommes capables d'arriver, découvrir qui côté exactement où déposer colis. Mais nous apprenons tout, commissaire. Et que ou pas poser seulé sous bateau en vendredi. Et que gagner l'autre colis qui te continué, ça dit ne pas de contrôle bateau après saisie que nous te fait en vendredi. Non, après saisie qui fait là, il est tout opérateur de campé par rapport avec ça la douane de Banon, mais formellement samedi qui 2 juillet bateau a te recevoir et ordre formel pour que lui-même situation ça yo côté bateau après rentrer avec exam illégal de coucher nous fait li là. Allô? Et ça arrivé vraiment pour de paix, mais pour de paix faut dire que depuis 1987 li pa gen un quai qui régulier, même li pa gen un quai qui régulier, pa gen structure pour ça même. C'est trafic qui fait là pas bon ici. Malheureusement, on pense que avec situation qui fait là, la permet que autorité centrale yo jeté et je voyais sur le port de paix parce que la situation n'a pas arrêté pour ça. Nous utilisons le port pour faire activité par mon CV, mais ce port qui est ouvert au commerce, que l'État lui-même dit pas mesure. Toute dissolution de compter la douane à payer l'immigration pour que nous mettions structure en port qui permet que nous contrôlions toute rentrée et sortie qui a fait au niveau du port de paix. Et en fait, deux mouns sa yo que ou mette mandat de yo la, n'a parlé de Marie
estimable. Oui, bon, regardez, non, Marie Estimable et l'autre citoyen. C'est Guirlaine, c'est Marie Guirlaine Estimable qui a vécu aux États-Unis. Et puis, l'autre monde, vous mettez mandat d'elle. Là, c'est qui est-ce exactement? Nous avons Marie Guirlaine Estimable, qui c'est Mounsa qui était accompagné et dit la France qui bail polio dans le premier ami à Miss Lily. Nous avons Wilfried Estimable, dernier ainsi connu, qui est censé chercher là. Parce que moun sa ou fòl yon pou bay eksplikasyon pa rapò a kagezon minisyon ki rentre ya. Moun sa ou se de moun ki se moun pòr de pè ki oyè. Et possible que se moun pòr de pè oyè parce que yon de lien et di la Franse moun pòr de pè, Marie-Guilaine Estimab m pa konnen tout, mais Wilfried Estimab se moun ki ka bien pòr de pè et n ap chèche li la pou le moment. Et l'information ki fè kwè ke kay sa ki n tal fouye a ke nou di ki pa kay di la Franse, se kay on lòt moun. Et information fait quoi ça, mais quand ça nous connaissait les souliers, parce que le fait que nous sommes rentrés là-dedans et nous n'avons pas quitté le livre, nous posons les souliers là, et quand ça, il s'en est soumis à la justice pour le moment. Et puis, deuxièmement, par rapport à quantité l'argent et munitions déjà là-dedans, nous avons trois pistolets dans le cas là, avec 344 de cartouches et 9 mm, il fait que quand ça nous sommes qualifiés pour le moment. Et commissaire, Jean de saisie ça, les nous fait. Doué acheminer dans la direction départementale la controverse pour que nous capable faire suivre avec la direction générale la police. Là. Je dis à la, dans la situation que nous vivons là, moi je veux dire population, depuis bon saisie qui fait, c'est direction départementale là qui recevoir tout matériel pour l'acheminer dans la direction générale la police. Ça fait que même poursuite que nous fait là, je dis à la, nous faisons poursuite en raison de constater juste de faire ou même mieux faire. En raison de rapport à la police, même les pays, pour que matériel ça, il n'y a pas arrêté sous place, pour t'as dit que c'est codé, qui est même mieux, mais matériel ça acheminé au niveau de la direction générale de la police, pour que y ait capable de ensemble avec le ministère de la justice. C'est vrai, c'est vrai. Et même comme commissaire gouvernement, qui sort gagné comme information qui est nécessaire, parce que le nous-mêmes nous acheminé, nous remettons à qui des droits, j'en saute dire. Même toujours tendez guerrier PRR, la police a plein, li pa gen munitions, li pa gen zam, li pa ka fè face carré avec bandi gen zam nan boukit, et cartouche nan boukit, yo même l'on policier pour aller, c'est des trois graines cartouche yo compté ba yo. C'est boulé yo, c'est jeté yo. Ça veut dire pour date saisie a fait et la police toujours pa gen matériel pour fonctionner. Bon, pour ça là, moi pa ka répondre question ça, moi censé pas une mission pour ça, pas qu'on est qui fait avec eux, mais il est fait certain que mission paquet, dès qu'il y a qui fait, c'est acheminer tout matériel ça au niveau de la direction départementale de la police, qui pourra la direction générale pour voir avec le ministère de la justice. Bon, c'est bien. Pour ne pas botter de l'eau dans un point PC et un point coulé, parce que si nous-mêmes nous avons saisi, nous avons fait une belle conférence, montré quantité de bagages qu'on a saisi, et puis nous avons fait ça, et la police a toujours un mal d'enfant. Dans ça, c'est très important, guerrier. Oui. Pour non, mais est-ce que vous servez comme pièce à conviction, c'est après non, jugement? C'est pas ça, commissaire. À qui ça vous servez? Parce que quand même, les arrêts avec onze âmes, c'est pièce à conviction. Hein. Les arrêts sont bien à conviction. Et puis nous toujours à plein, pas gain. Et puis, guerrier, ou que tu as pour le ministère de l'éducation nationale, il y a 5 établissements, il y a 6 établissements. Et puis, on bon building, on tente de capter des saisies pour dire les drogues, les mauvaises affaires. Côté Kaïsa, non mais qui est sûr? Oui, commissaire, comme nous pas vraiment jamais parlé avec vous depuis parler en pile ça qui t'a fait autour de libération on certain de Jean-Reynald Dorsin que la justice si me pas trompé c'est substitut GIE qui était arrêté là dans Croix des Bouquets et que 26 avril 2022 juge Jean-Edouard Mara avec parquet donc libéré et que monsieur t'a retourné
al bay problème encore al fonctionner dans gang que le TE après de passer 2 ans dans prison. Qui ça ka di nou sou dossier ça, commissaire? Et pour le moment, moi pas ka répondre trop information de dossier ça parce que son dossier qui santé en cours toujours. Mais m'a dit que par rapport à ça que c'est pas information qui a circulé comme étant c'est un monde qui n'a kidnappé, ça m'a pas ta vérifier. Moi-même, je me dis que par rapport à ça qui fait yo, je dis à la nouvelle situation côté n'a goumé contre le monde qui est armé, n'a goumé tout contre le monde qui a armé tout. Mais le dossier qui a rapport avec Jean-Renal Dossin, c'est un dossier que le juge Jamal Ali même lui a prêté au niveau du cabinet d'instruction. Et le juge la semaine dernière lui parlait par rapport à l'information que lui a ensemble information que lui même lui gagne sur dossier. Il a dit dossier a perdu, c'est ça qui fait que vous avez libéré lui. Il dit que non, le juge a dit que lui-même par rapport à Jean et dossier lui-même lui, lui censé gagner dossier à l'amel, mais qui information que lui-même lui gagne de dossier. Et monde qui n'a pris prison, selon ça, il l'a dit, lui pas gagné en il pourrait avec dossier qui a été monté pour le policier. Il faut dire que Jean Mounio ba information hein du policier a été mouru en dans commissariat et effectivement il y a une attaque qui fait dans commissariat Bassin Bleu mais policier a pas mouru dans commissariat et policier a mouru après 4 jours au niveau de l'hôpital Port-au-Prince après opération. Maintenant oui mais citoyen ça c'est les mêmes accusés qui étaient rentré dans commissariat et tiré policier ça qu'on parlait. Oui c'était un homme qui était accusé là-dedans mais il faut dire que c'était un ensemble de 6 à 7 monde que yo te prêté du droit dans dossier là et tant qu'on dit que substitution il vient de dire que il était arrêté monsieur et c'est par rapport à un ensemble de informations qui était bail qui fait que on est monté à filière monsieur ça bon dit pour tout le monde tout monsieur ça l'heure dans prison kidnapping pour commencer dans département nord-ouest kidnapping vient commencer dans département nord-ouest fin 2020 et qui a fait activité ça yo mais il y a un autre McDonald's qui dans zone là qui s'est cousin Jean-Renal Dossin, en pile froid, yo confond de M. Zayo, qui fait que, yo dis à la, y a parlé de tout kidnapping qui fait, c'est le groupe Jean-Renal Dossin qui fait. Donc, il y a un groupe McDonald's qui est dans la zone là, suivant l'information qui baille par rapport à ça. Et puis, deuxièmement, tout, moi, je voulais dire que tout le monde qui s'attend des radios qui arrivent dans le moment, ça n'a pas été un rapport pour moi avec le monde qui a, mais avec le monde qui est dans la gang, parce que moi-même, je vais éviter ça pour que je ne parle pas. Moi, pas chemin l'école pour me rester l'école pour me servir la communauté, pour me servir la population. Moi, pas aller rentrer dans l'activité ça, parce que l'activité ça, je ne pas conduire de l'autre côté, c'est un cimetière. Alors, moi-même, je fais ça qui est possible pour que dans cette poursuite là, je fais poursuite pour tout le monde que la population est indexée, que nous dénoncer pour que moi-même, je aboutis avec poursuite ça. Je ne fais pas politique avec dossier qui est dans la justice, mais je travaille pour que je rende service à la communauté côté ma ville. Voilà. Merci un peu, commissaire. Jean-Marie, avant d'aller, je vais vous envoyer ça pour chaque monde qui a vu l'autre bord là, frère avec soeur, qui est dans un pays étranger. Je dis à moi, je dis que la famille en Haïti recevra un pile commission dans le menu, ça fait un plaisir. Haïti tourne en cimetière côté, chaque jour, on a tombé en bas balle. Haïti pas produit balle à l'examen. C'est dans un pays étranger au sorti. Tant pis, si ce sont des âmes dans le bâtiment pour venir détruire la vie, rêve chaque haïtien. Si vous avez l'argent pour acheter des armes, venez construire l'école sans professionnel. Faire agricole pour Haïti soutenir l'indépendance ça depuis 2019. Il est indépendant. Depuis 2019, il est indépendant. Si nous mettons l'argent dans la formation chaque haïtien, Haïti a privé dans les États-Unis dans le chemin de développement. Si c'est dans les armes, nous avons investi, songez, nous avons dormi à la prison dans la même chambre parce que la loi a agi contre nous. Moi-même, comme chef, poursuite dans le port de mer, m'a demandé d'appliquer la loi pour tout le monde qui a fait force légale au défi. Oublier contre lui, à pas payer. C'est Haïti qui vous chaque Haïtien. En fait sorte que vous ne faites pays à changer. Merci. Commissaire? Allô? Oui, donc ça, son message envoyé par des citoyens haïtiens qui vivent à l'étranger. Et d'ailleurs, il y a deux là-dedans que vous mettez mandat derrière. Est-ce qu'on va suivre, on dit, toutes les étapes? Parce que vous n'êtes pas dans le pays. Est-ce qu'on va suivre toutes les étapes? Des CPJ, Interpol? Oui, de compte avec le ministère de la Justice, on prend toutes les mesures déjà qui vous permettent que nous remontions à accueillir chaque monde. Voilà. L'État! L'État! L'État
Haïti pas produit balle, li pas produit zam. Côté balle ça au sorti, côté zam ça au sorti. En pile monde écrit pour dire que il y a pas un problème, saisi c'est bien. Ben l'on saisi, les gros saisi ça y a fait et puis personne monde pas au courant destination yo, c'est gravissime. Et surtout dans la justice nous est là. Confie au lot, commissaire, juge avec bandit. Est-ce que c'est ça? Et vrai, l'agent douanier doit botter de l'eau dans pas un PC. Parce que tout le temps, il y a plein, la police n'a pas de moyens, la police mal équipée, elle n'a pas fait face carré avec bandit. Bandit a une grosse arme, il y a un gros calibre, la police n'a pas de munitions. Et puis tout saisi ça, il y a plein de faits, personne ne peut connaître qui route tu prends. Est-ce que c'est pour une opération? Bah, chat civilement. Et mon yoman des autorités judiciaires, yo, comme la police auxiliaire de la justice, si saisi ça au fin fait, il est bon pour yo canaliser la population à dire côté zam ça y aller. Pour les retourner dans la ben bonne population pour nous qui est pour nous attaquer guerrier. Oui, oui, parce c'est que l'information vient là, et tout le monde tend toute la sainte journée, il y a un crocodile entre paquetier, entre juge avec bandit. Il y a 22 âmes, quand il dit, il y a 20 ans, pas chaud. Et tout le monde connaît, mais chaque fois, il a fait saisir ça. Quand il a ouvert le tuyau, il a dit, oui, il a saisi pour nous, il a venu jouer nous. Et puis après, il a bandit, le groupe bandit, et puis il a vendu pour nous. Il faut qu'on ait une explication à la population. Toutes les gens des âmes, ça, qui ont appelé des saisies dans le pays, pour qu'ils ne soient pas au service de la nation haïtienne, pour qu'ils ne soient pas au service de la police nationale d'Haïti, pour marcher contre les carrés malandrins. Et oui, n'a prêté toujours dans découverte Zamsa, autorité la police avec la justice au fait dans port de paix parmi nous qui cité comme monde qui voyait Zamsa, nous joignons Marie Guirlaine estimable, mais concernant et non ça une précision pour nous porter par rapport à photo qui a circulé aux photo qui a circulé sur réseaux sociaux qui présentait Marie Guirlaine estimable là, c'est pas dame ça, c'est plutôt Guirlaine estimable nan non li pas gagné et Marie li te vle porter précision ça. D'ailleurs il dit li pap vive aux États-Unis contrairement à Marie Guirlaine estimable. Donc guerrier finalement nous rejoigne Marie. Alors, non, nous jouons Guylaine Estimable. Oui, nous jouons Guylaine Estimable. L'autre, Nofael. C'est Marie Guylaine Estimable. Oui. Et Spot Ndevoye, ben nous, là, qui est sous groupe là. Qui est-ce qui fait Spot Ndevoye? Qui pas pour faire ça, c'est lui-même. Pour demander, est-ce que c'est lui-même qui fait Spot? Oui, c'est lui-même. Ça? Oui, c'est lui-même. Et il fait Spot là? Yeah, c'est lui-même parce que lui-même l'a fait promotion pour un produit qui est Monat. Ah oui? Ouais. Donc, ouais, bah, bah, Spot Ndevoye pour monde qui besoin fait quoi? Oui, mais voilà, c'est avec produit ça. Parce que. Ce produit ça. Bah quoi elle te dit ça dans ce spot là non? Bah quoi elle te dit qui produit? Oui, la map qui t'elle préciser pour nous pas aller trop. Non, avant de préciser, nous gagne là. La gueule, on la gueule on tient chez yo et bon nous. On spot qu'elle. Oui, donc on a rappelé que moun parquet. Donc moun n'a pas parlé là, c'est mettre spot là. Oui, lui-même c'est Guylaine estimable Nofael. Rete là, rete là. Bon moi s'il pas de bail tout non dans ce spot là. Pour me connaître, parce que qu'on est à faire Golak, mais en même temps, on peut l'empêcher ici. Ok, mais ce spot-là, combien de misuel, nous voilà là, on te voit le sous-groupe là. Combien de misuel, t'as doué la gueule. Ok, très belle madame. Ok, les sous-groupes là, combien de misuel, la gueule pour nous, et puis madame n'a dit, bon, moi, s'il te baille, non, pour Dieu, Abdiya, dans ce spot ça, parce que madame n'a dit, sous plan économique, bah, il y a bien marché pour les. Bon me garder parce que vous même t'a vraiment entré dans business ça tout parce que pas gagne pas t'a remé bon business cap bien marché nous parti visuel voilà que image en aller. Bonjour, bonjour, bonjour. Je m'appelle Guylaine Estimable. Je suis éducatrice qualifiée. Je travaille avec un groupe d'enfants de 18 mois. En même temps, je suis entrepreneuse. J'ai commencé mon entreprise en octobre 2020. De octobre 2020 à avril 2021, j'ai eu beaucoup de succès dans mon entreprise. Vous aimeriez savoir comment est-ce possible d'avoir du succès en peu de mois? C'est simple. Je peux vous expliquer comment vous-même vous pouvez faire pour faire du succès avec une jeune entreprise. Appelez-moi au numéro 819
592-772-9. Ça me fera un grand plaisir de vous. Voilà. Bah elle dit pas elle dit c'est toi un peu bon parler avec lui et puis dans spot il dit de octobre pas mal orienté monde à avril 2021 la gain octobre probablement tu voulais dire de avril 2021 à octobre avril mai juin juillet août septembre octobre 6 mois. Ils font succès, on va enrager. Et dans Scotland, il déjà répond à une question. C'est que l'IPA Marie, oui, Guylaine, oui. Donc il dit que c'est Guylaine. Oui, Guylaine estimable. Mm-hmm. Oui. Et non Marie, lui, c'est Nofael. Ouais, et lui-même, il vit au Canada. Et c'est ça le bal de fond là, bien sûr. Depuis 8 ans, et mon paquet, et pas de père à chercher à lui-même, la vive aux États-Unis. Voilà. On a pas demandé ça. Oui, bonjour, madame. Bonjour, guerrier, et bonjour tout auditeur, et bonjour tout journaliste et Radio Caraïbes. Mm-hmm. Une petite présentation de où? Bon, non pas, c'est Guylaine Estimable Nofael. Mais sur Facebook, moi mettez Guylaine Estimable. Moi pas mettez non Marie. Mm-hmm. Je suis... moi c'est éducatrice et que j'aime dire moi j'ai un diplôme en petite enfance ici, m'a travaillé dans l'éducation avec tout le monde, m'a travaillé dans le gouvernement dans CPE qui se trouvait dans l'hôpital et avec tout le monde j'aime dédié dans ce spot là 18 mois. Mm-hmm. Puis, moi, j'ai gagné un certificat tout comme intervenante auprès des enfants en difficulté, en déficience intellectuelle à l'université UQTR qui se trouve à Trois-Rivières, ici au Canada, à Québec. Mm-hmm. Et parlez d'entreprise. Qui j'en ai d'entreprise? Moi, j'ai gagné, en plus d'éducatrice, moi, j'ai un business qui est les Monat, compagnie de Monat. Moi, rentrer dans la compagnie ça en octobre 2020. De octobre, business ça comment le fait lui-même. C'est où inviter monde, vin comme un market partner, un monde qui fait business ensemble avec vous, ou capable de prendre des promotions. Puis, où inviter monde tout pour acheter comme VIP. Ou inviter monde pour acheter comme libre, même si vous avez un engagement comme VIP, vous pouvez acheter comme un simple client. C'est comme ça, c'est ça qui a aidé au prendre promotion. Mais de octobre à décembre, moi, j'ai fait trois promotions. De décembre à avril, moi, prends 7 promotions. Ça a démarré vite, la table business santé en vente, moi, prends 7 promotions. Et business a gagné 10 promotions pour arriver dans tête business non capable de directeur. Mm-hmm. Et moi j'étais arrivé 7e promotion en avril, moi trouvé ça c'était un bon succès. Mais business a devine en baisse en arrivé avril pour moi, leur contacté mon tout le monde Canada était au courant de qui est qui mon là et produit cosmétique, produit anti-âge, produit wellness. On garde dans spot New York, nous te qu'on a parlé de Monat, on a nous évité parler de Monat pour clients. Non, pendant moi était dans la couve Fidelis, on t'a cherché petite pour l'école, on dit avec bon son bon tout profiter fort. Et vidéo pour me laguer sur Facebook pour pour de toi VIP, laisse te gagner un spécial. Ça arrivé on fait vidéo. Ça arrivait ou qu'on voyait produit ça yo par bateau en Haïti? Mais non pas non Monat ou pas qu'à stocker et produit ou qu'à juste acheter produit ou même pour servir ou qu'à inscrire client pour client acheter produit pour le servir. Mon pas qu'à acheter pile produit, acheter $1,000, $2,000 produit pour stocker la caille. Je pas d'accord, compagnie pas d'accord. D'ailleurs limite là c'est jusqu'à $1,000, $1,000 là. Et taxes, $1,000 là c'est avant taxes. Donc on peut acheter à peu près $900 plus taxes divine vini $1,000. On va pas dépasser $1,000 pour acheter. Mm-hmm. Mm-hmm. OK. Produit ça y est exactement. C'est produit de beauté. Produit cosmétique, oui, shampoing, revitalisant,
crème pour visage, pour tache, pour bouton. Nous gagnons l'huile tout, y a l'huile réjuvénique qui est très bon. Nous souvent fait spot pour l'huile ça. Donc on y a fort coup à fond, tu passes main sous spot là parce que tu dis de octobre 2021 à avril 2021. Les samedis vraiment gâti confusion, tu voulais dire de octobre 2020 à avril 2021, non, il se passe 6 mois au fond succès extraordinaire. Oui, de octobre 2020 à avril 2021, moi arrivé 7e promotion et on arrivé 7e promotion, donc c'était un gros succès pour arriver 7e, presque au moins 3 promotions pour arriver dans cette business là. C'était un gros succès pour moi. Vous devez parler d'un succès promotionnel et d'un succès économique. Succès promotionnel, oui, succès promotionnel. Économique ou rentrer comme ou rentrer comme mais pas rentrer en comme et bon qui gain bab dans figure parce que investissement non, minime parce qu'on dit ou pas qu'à aller au-delà de $1,000 donc autant on investit non, plus ou rentrer plus mais non. Si on interdit pour pas faire grand investissement comme ça pas gain gros bab passer ça. Non, c'est pas gros cop. Moi-même, moi, quand on fait un paume, moi, recevoir papier pour 2021, déjà, me fait un paume. C'est pas gros cop. Là, me dis succès, moi, dis succès promotionnel. Mais, ou fait cop comparativement à paye ou à toucher chaque semaine, ou li plus que paye ou. Pour moi-même, c'est ou fait cop. Mais, c'est pas comme 50 000. Là. 60 000, 100 000, mais non, compagnie n'a pas d'argent pour accepter tout comme ça fait un coup. Faut avoir pile monde dehors qui a rentré dans le business, qui a même qui a promoté, qui a fait, qui a pris promotion tout. Faut faire comme à l'aide des promotions pour prendre. Et à l'aide des VIP aussi tout, nombre de VIP qui rentrent tout. On a capté. Dans la même présentation, madame, nous avons connu qui Koto sorti en Haïti et puis depuis qui l'heure ou à vivre Canada? Je suis au Canada depuis 25 juin 2014, en famille. Et en Haïti, moi j'ai habité Delma, moi grandi Delma, moi levé Port-au-Prince. Je pas vraiment connaître rien en province, mais parents, moi j'ai un papa qui sorti du côté de Jérémy et maman me sorti au Cap. Et Colin, comment vous capable de nous différencier ou même qui relait Guirlaine estimable Nofael avec Marie Guirlaine estimable que la police la justice a pas cherché qui impliquait non question de voyez am cartouche vinvan en Haïti et selon commissaire là qui vive aux États-Unis. Moi-même j'aime ça dire moi relait Guirlaine estimable Nofael sous toute pièce moi c'est comme ça moi relait moi pas vivre aux États-Unis. Je vis au Canada, du côté de Gatineau, la dernière ville de Québec, proche de Ottawa. Mon sarele, Marie Guylaine estimable, c'est deux noms différents. Deux noms différents. Les moi-même, moi t'as fait déposition la police hier. Je dis mais madame, c'est deux noms différents. C'est pas au même. Mon problème, c'est que ces photos, il y a circulé sur toutes les réseaux sociaux avec même identité ça. C'est ça qui est mon problème. Mm-hmm. Je baille toute information et que eux-mêmes y a fait enquête par eux. Et ça, moi, c'est fait pour l'homme, t'es capable et pour l'homme, pour image moins qui a circulé dans le monde, pour population capable de connaître, c'est deux personnes différentes. Et m'a pas voyager en plus moi pas voyager et non temps ça non espace temps ça m'a voyager et depuis 2014 moi pas voyager aux États-Unis ni m'a à Haïti. Pas rentrer du tout. OK. Mais Kounia, comment nouvelle ça arrivé sous famille bon l'aime te apprendre nouvelle là au début ça pas
pas choqué du tout parce que moi t'ai mon enterré gain mari dans l'ol en plus de ça m'ba habiter États-Unis moi pas gain numéro téléphone ça tes numéro téléphone moi en grand public toute identité tout moi même en grand public m'ba gain son nom sur réseaux sociaux mettez non pam image petit point image mari tout moi même sur réseaux sociaux m'ba gain rien m'a caché ça va paniquer lèp c'est dans l'après-midi l'aime vinnoué photom l'aime vinnoué il y a certains de terriel et qui publier photo moi avec non li la donne quand on te dit oh ça c'est important bon prend c'est ça me ouais avant OK l'aime moi li même pas comme mon du tout pas comme personnage là pas même quand c'était journaliste parce que m'pas fait nouvelle m'pas qu'attendre ça qu'a passé en Haïti parce que nous sommes qui gagne nostalgie de pays même si gagne 8 ans ici moi toujours envie aller dans pays et ça a commencé paniquer d'après le travail m'pas pas le travail Marie tout ça a bouleversé le tout les loi image moi à sale comme ça et petit moi mon grand jeune garçon 18 ans l'aime te wel il m'a pas de faire ni deux ni trois lui même il en moral il était jeune il était dit bon pas rien pour faire on va juste bloquer tout le monde ça pour en privé oui m'était commencé faire ça mais après me vinn dit m'pas rien il m'a caché m'a quitté le public les tout grand vent ça fin passé après ça m'a connu qui ça m'a. Mais hier, elle m'était parlé avec la police t'a dit comme ça, mettez tout à fait mon privé en attendant. Oui, et très bien. Donc Odine que déjà comme t'as dit ça déposé plainte ou bien fait déclaration devant autorité ou non. OK. Et bien suivi qu'a fait. Allô? Oui, mais oui, allô? Oui, oui, donc, il y a un suivi qui a fait selon ça. Oui, il y a un suivi qui a fait parce que l'intérêt, les âmes, c'est vraiment de la brime, d'appuyer et la police, t'es pour tes sous. Et t'es même demandé si j'ai eu des suicides. C'est juste ça. Parce que les regardé, à chaque fois, j'ai regardé des photos comme ça. Ça fait mal en pile. Pour moi, y a un citoyen honnête que mien. Moi, crédible, mon bajon n'a fait moun. Je suis chrétienne, par contre, comment ça, pour moun ça pas réfléchi, ou apprend imagine moun sans même ou pas regarder information sur moun nan. Toute information sur Facebook. Bon information, checker pour voir est-ce que c'est la bonne personne. Mais malheureusement, c'est pas ça qui t'est fait. C'est pour une raison tout, me chercher concours plusieurs médias, puis pour moi, comment yo t'es capable. Et voilà. Eh bien, merci un peu, madame. OK, merci beaucoup. Voilà, donc, nous avons parlé avec Guirlaine Estimable, nous, Fayel, qui, pas Marie Guirlaine Estimable, qui vive aux États-Unis, que la justice a pas cherché, parce que yo gagné non li nan document qui yo saisi pendant saisi zam ça qui fait dans un port de paix. Donc nous espérer que précision li poté. Et nous t'ai dit l'introduction journal la matin et un bon parti la dalle a pas consacré sous question circulation zam en Haïti n'a servi de prétexte à dossier port de paix pour nous chercher comprendre côté zam sa yo passé pour atterrir sous territoire national la 300 000 d'après ancien DG police nationale là Michel-Ange Gédéon matin n'a parlé avec Friendly Denis Julien avocat spécialisé dans crime avec immigration et l'Ipral Palais avec correspondant permanent nous aux États-Unis, Luxon Saint-Ville qui est déjà avec nous. Luxon, bonjour. Bonjour Pierre Renel, bonjour Guerrier de Seul, bonjour Bob C, bonjour tout le monde. Baron et Sinon, bien recevoir. 5 sur 5. Effectivement, jeudi, c'est 4 juillet, c'est fête indépendance et pays les États-Unis, Radio-Télévision Caraïbes prend. Joue ça pour poser un problème trafic d'armes illégal qui a sorti sous territoire américain pour rentrer en Haïti. Avant même nous arriver dans le fond sujet à fond, selon le dernier chiffre qui est disponible, il y a environ 500 000 armes
en feu qui a circulé en Haïti et dans chiffre ça gagne seulement 10% là-dedans au illégal. D'après ça, des experts révélés dans un article à Ibopost, un média haïtien publié en septembre 2021, États-Unis bail une quantité importante d'armes qui tombaient dans main criminelle qui a opéré dans région de coup Mexique dans Amérique centrale là ou bien dans pays dans Caraïbes là. Na fait connait que chaque année Pierre-Onel Guerrier Bobsé la police nationale en Haïti collabore avec bureau alcool tabac, zam à feu et puis explosif qui gati non jouet li ATF et pour joindre information sous qui moun kap achete zam dans qui circonstances y achete zam yo qui type d'exportation yo fait mais tout fond dit parmi zam kap retracé en Haïti yo yon bon parti sorti États-Unis selon sa même institution ça rapporté 2 ans de cela gon institut indépendant qui est The American Progress qui sorti il y a un rapport qui expliquait comment faiblesse loi américaine sous Amafeu yo alimenté crime violent cap fait dans pays étranger. Nous planter des corps ça pour nous bay moun cap tande là yon idée sous rapport Haïti avec États-Unis dans circulation zam illégal ou bien trafic zam illégal. Pour nous river poser ensemble de questions et joindre une réponse qui nécessaire yo. J'en sou di là nous gagne avec nous souligne là Wout Joseph qui lui-même son vétéran combattant, il fait guerre Irak et Afghanistan, il c'est un diplomate, un historien, un entrepreneur. C'est avec plaisir n'a recevoir Wout Joseph pour venir parler question zam. Wout Joseph, son plaisir pour nous recevoir sur plateforme Radio Télévision Caraïbes. Son plaisir, comment nous y est? Bonjour, bonjour à tout un staff, équipe Radio Caraïbes, Blanc Guerrier. Monsieur Bob C, avec l'autre, et puis m'a dit merci Lukenson, et puis merci à tout auditeur, auditrice qui a écouté Radio Caraïbe dans tout coin monde-là. C'est un plaisir pour m'avoir nous matin là. Alors, Joseph, nous avons pour nous parler de questions ZAM, particulièrement parce que c'est tout. Mais nous, maintenant, dans un second temps, nous avons pour nous étendre Maître Fredley Denis Julien, lycée avocat spécialisé dans la question crime et immigration. Avant nous, il est même sous Fredley Denis Julien, guerrier Bob Pierre-Onel. Nous voulons garder avec Joseph comment pourrions-nous acheter un ZAM aux États-Unis, comment processus légal qui soit rempli comme condition. Qui l'âge ou doit gagner, qui statut doit gagner pour acheter des armes aux États-Unis. Au Joseph, pour mon capitaine de là, ensemble de questions, ça, qui est l'élément de réponse ou capable de bailler mon capitaine de là? Bonjour, Luc Seguin. Pour acheter des armes, il varie de État pour État. Tel que l'État ou l'État rouge, l'État vert, l'État qui parie qu'il y a un principe même. Tant qu'au Pennsylvanie, ou gagner tant qu'au Texas, Florida, si on a un État qui vraiment gagne une loi qui est très facile pour moun opter. Mais en tout, gagne pour Florida, il y a 12 fois 21 années, il faut qu'il y ait un bon criminel et puis il faut qu'il y ait un monde qui problème mental. Mais ça, ça varie. Ça, aller leur acheter des armes dans le store, dans le shop. Il y a un bagage qui est les gun sales. Ça nous fait qu'il y a un marché vendre des armes chaque semaine. Il y a un convoi, moun qui sont dans tout état qui viennent vendre des armes chaque week-end dans différentes villes. Les consommateurs, moun sa yo, yo protégé en bas une loi qui en bas une loi qui est le PLCCA. Loi ça veut dire c'est une loi qui protège un commerçant qui vend des armes côté pas besoin en régulation avec loi état qui a vendre. Sauf que Californie dans tout état qui aux États-Unis qui restreinte vente achat d'armes avec ammunition. Son petit bagage très simple pour ce système, je voulais pour comprendre. Il est simple pour monde qui connaît. Il est compliqué pour monde qui pas connaît et qui pas ceux qui pas pour connaît. Spécialement pour l'État haïtien, gagne des voiles et l'État haïtien capable ensemble avec l'État États-Unis de façon yo ka camper entre les armes. Mexique fait, Guatemala fait. États-Unis ka fèl, Haïti ka fèl. Mais nous vivons un bagay qui est réalité. L'on pas connaît ou pas jugé. Parce que tout ça qui passe en Haïti, nous pensons que c'est DEA qui pourrait ranger tout bagay. DEA seulement focus dans le dossier drogue.
DEA pa yo fixe tout bagay. Ça veut dire c'est plus gros problème moi influence DEA m'adresser ça avec des députés américains, des sénateurs pour yo couper influence ça parce que ça vient empêcher des CPJ faire travail, ça vient empêcher et en PNH Cavalli, parce que tout problème yo gagné qui pas même gagné rapport avec DEA, c'est DEA. Il y a un process pour le pays d'Haïti, même si ce pays a capacité d'armes, il y a un système qui est EAR. Système ça, c'est un système qui normalise ça que les exports administratifs à régulation pour armes à feu avec ammunition. Les mêmes tout, les en forme pour un temporaire, pour exemple, si un commissaire police entrait aux États-Unis pour venir acheter nos armes, déjà la police te balle l'autorisation, les en forme qui est le temporaire export, qui c'est une forme CBP 44457, moun sa a un document. Police DG la police Bali, ministre intérieur Bali, qui a traduit avec ça, il a rempli forme ça nommé moun acheter zam nan et puis là on rive kounya là, il a parlé dans l'autre système qui est le EAS qui c'est une obligation pour toutes zam qui quitter pays États-Unis. Toutes zam, toutes balle qui quitter États-Unis. Mais gagne une exception pour loi ça. Si que un citoyen mette 1000 boulettes dans une valise li gayon zam li te remet nan ba avion pour voyer limite la pour pas voyage c'est 1000 boulettes au moun ka mete mais problème qui gay avec ça c'est responsabilité ou sou pas gagner ou pas besoin de ken papier nan men ou sou pas être avec zam ou remet li ou déclarer li nan compte American Airlines nan valise ou gen 1000 boulettes qui encaissé 1000 boulettes qui est cassé ça, c'est minimum que loi aux États-Unis baille. Quand il y a l'air pour arriver en Haïti, si on arrête toi avec ça, c'est responsabilité pour te rejeter avec le gouvernement haïtien. Il y a l'air ça. Oui. Alors, mon Joseph, nous arriver sous type d'exploitation yo, et aspect légal là et mettre Franklin Denis Julien qui c'est spécialiste en question crime et à immigration, il était parlé sous ça avec nous et n'a demandé pour Grégory et mettre le prêt pour Franklin Denis qui était parlé avec nous avant même nous faire intervention. Ça nous t'ai gardé avec lui comment yon moun ka exporter zam et sorti États-Unis aller dans l'autre pays, combien type d'exportation gagné, qui entité qui gère question ça, n'a pas invité auditeur à constitution tendez, yon externe déclaration maître Franklin Denis Julien sur question ça. Avion avec bâtiment yo pas gagne rôle pour yo inspecter par exemple avion par exemple, yo pas gagne rôle pour yo inspecter mallette que ou passer en bas pour voir est-ce que ou a voué zam dans l'autre pays. Yo pas gagne rôle pour yo empêcher ça non plus parce que pas oublier que avant que mallet sa yo rive nan avion a, ou passe nan checkpoint nan aéroport a, et checkpoint sa c'est département et sécurité frontalière la qui gère yo. Donc nan sens sa c'est pas World Airline pour le faire ça, c'est World gouvernement américain pour le faire ça. Maintenant airline yo et ligne aérienne yo qui sa gen pour responsabilité, yo gen pour responsabilité pour yo faut remplir en forme. Et forme là a dit que sous gen zam ko passe en ba mallette là zam nan pa un zam ki chargé li pa gen zam et baladan et une fois que vous fait ça yo transféro à département sécurité et du transport TSA OK et yo même c'est TSA qui pour faire screening là pour voir est-ce que tout papier en ordre. Donc en gros c'est wall moun yo ça. Maintenant on si n'a parlé de bateau, on connaît que majorité généralement zam et munitions qui passaient dans bateau c'est des bagages qui passaient de manière clandestine, qui passaient dans en dans sa durée, qui passaient dans machine, une série de bagages comme ça. Maintenant, est-ce que c'est wall bateau yo pour yo ka assurer yo que pas gen zam k'ap vini? Non, c'est pas wall ça non plus parce que gagnent département sécurité frontalière qui contrôlait zone ça tout et c'est job yo pour yo ka garder qui ça cap passer dans zone et d'embarquement yo. Cependant, on pas bal tête nous menti, pas oublier que le département ça yo qui wol yo c'est et
assurer intégrité territoire américain. Donc yo plus concerné par sa cap entrée que par sa cap sortie. Si nous parlons de tête normative, on connaît que les armes sorties dans pays États-Unis, insécurité a baissé aux États-Unis. Donc yo même yo plus évidemment si son bail flagrant yo baron moun et que vous exporter sans autorisation et sans licence et en violation de la loi ou gagnon yon prix qu'on paye pour ça, gagne peine qui prévu pour ça, mais c'est pas plus gros préoccupation département et sécurité frontalière américain pour qu'ils am cap sorti des États-Unis, yo plus concerné yo de zam cap entrer et de contrebande cap entrer. Alors, M. Fredley Denis Julien, lycée avocat spécialisé dans le crime avec immigration. Avant même nous t'avoir bah, monsieur dans le studio, si vous avez des questions capables de poser. Ou Joseph, nous devons demander avec bateau, il y a découvert en Haïti pour tes âmes. Qui ça selon vous-même qui à la base problème ça? Qui ça qui fait que vous arrivez facile comme ça en Haïti? Est-ce que selon vous-même, nous avons parlé de faiblesse dans la loi américaine sur question ça? Bon, et pas faiblesse, parce que j'ai un avocat qui dit qu'il est absolument correct. Tout ça, plus d'hommes qui quittent le territoire États-Unis, hein, c'est plus important garantie de sécurité pour les États-Unis. Il y a un qui est indépendant vendeur. Indépendant vendeur, il n'y a pas de loi. Il y a une loi qui passe en 2005 qui est la protection légale de commerce acte 2005. L'offre ni moun kap gade la, kap tande la, yo kal gade PLCAA. Yap wè, comment gouvernement bay immunité à moun kap vandzam? Ça veut dire genye, ça pou yo rapporter, ça pou yo pas rapporter. Pour exemple, si ma bache ton zam qui coûte 6000 lola, zam non son zam qui interdit, même aux États-Unis, si ma achete le pa mousso, ma achete chaque mot de depuis mousso, pa coûte 600 lola, Il n'y a pas de quelle obligation pour rapporter. Si on a l'aime de mots sur ça, mettez-le en boîte. Les transports conteneurs sont bagages illicites. C'est deux plus gros organisations dans le monde qui sont plus bien financées et organisées. C'est un gouvernement qui est légal avec entreprise illégale. Parce que deux gros organisations, c'est deux organisations qui ont contre-con depuis que l'institut existait. Pour une finalité avec renforcement existé, c'est des gros départements qui toujours abaillent. Quand il y a là, ça qui nous a fait responsabilité, avant que pour prendre un conteneur dans le monde, il faut que vous même vérifiez. Si vous ne pouvez pas vérifier ça dans le conteneur, mais si vous avez un volume de presque 10 000 conteneurs qui entrent en Mexique, c'est responsabilité qui va passer par terre, qui va passer par la mer pour aller au Mexique, c'est responsabilité bateau, responsabilité choix qui conduit, c'est responsabilité compagnie pour connaître ça qui est un bon conteneur qui entre en Mexique, parce qu'à partir de 2012, depuis aucun bateau, il y a un bateau ou bien un conteneur qui entre à Xam, sorti aux États-Unis sur territoire. Entre Mexique, compagnie transportation, c'est eux-mêmes qui ont une responsabilité. C'est parce que Mexique mettait des dispositions en place, parce que Mexique a eu une épidémie gang de 2007 à 2012. Quand il y a la 2013, Mexique passe loi. Je veux dire, là, Mexique n'a pas de problème gang encore, il n'a pas de problème cargaison d'armes encore. Parce que lui sanctionnait le gouvernement américain en vent. Ça a fait un cran pour faire. L'infini sanctionnait le ministre de justice, lui dit la chargé pour chaque grain de balle qui tire au Mexique. Eh bien, le gouvernement ici, il prend un ATF, il met sur une force de sécurité. Le gouvernement ici a bail critère à conteneur qui a quitté les États-Unis. Le gouvernement Mexique a bail critère à conteneur qui a entré. Chaque conteneur qui a parlé au Mexique, il a voulu un inspecteur pour mettre sur que ce petit bateau avait coûté plus quoi pour bateau, mais pas business, moi, parce que j'ai besoin de sécurité dans mon pays, m'a fait. C'est ça qui vous fait gagner des décisions, qui vous prend, mettre que bateau qui n'est pas accepté pour respecter le droit, il a quitté. Mais on a plusieurs bateaux qui voulaient entrer en Haïti pour venir travailler, qui respectent le droit. Ça qui veut venir parce qu'ils n'ont pas capable de venir, parce que c'est une zone Haïti à Miami très proche.
très lucratif parce qu'on bateau qu'a fait dans 2 semaines, ça demande des bateaux gain en semaine, on bateau qu'a aller tourner, ça veut dire qu'un pile l'autre bateau capte l'opportunité ça qui pour respecter ça. Ça veut dire et pour bagage chaque grain nous toute responsabilité ou même qu'a voyer boîte Haïti. Tant pris pas de vos examens, pas d'envoyer balle en Haïti. Si vous avez un bac à faire, bah, voie légale. Parce que vous avez voie légale, comment vous avez fait tout ça en concert avec ni gouvernement haïtien, ni gouvernement américain. Alors, oui, Joseph, vous captain de là, comment un monde qui a trafic illégal, vous avez un examen en Haïti? Bon, étape là. Parce que vous avez dépatché un examen et vous avez un domaine d'examen. Comment un monde fait pour vous un examen ordinairement en Haïti? Toute façon, moun voye zam Haïti. Mais moi-même, m'pa vle bay élaboré pour éducation. Là aller tant que plus fort zam moué nan men bandi Haïti yo pour moun pour l'autre vétéran qui connaît son paquet zam qui pas fini, un paquet zam qui pas complet. Yo juste gen barrel là, yo gen chamber, après ça zam ça pas complet, on va gen sai. On devait garder les armes, déjà les armes ont manqué 3-4 pièces. Même l'enquête policier a marché les armes qui est complet. Sans ça, si ce n'est pas approche, c'est vraiment difficile à 25 à 30 mètres pour le prendre si vous avez un viseau, parce que vous n'avez pas de ça. Ça veut dire, ça c'est une. Quand on a écrit les armes zombies, ça nous est les ghost guns aux États-Unis. Ces armes que manufacture fait, qui pas au manufacture, qui gagne grand sel, il pas fait au 2-3 000 armes par année, il fait dans le garage là quand il que l'État m'a décidé la vendre avec un monde aux États-Unis pour lui donner un numéro pour yon bal yon, ça nous est les yon 20 nombre, yon numéro pour les armes. Mais là, il y a venu dans le black market. Donc, si nous avons nos armes, c'est $600. Dans le black market, nous avons acheté là, offrir $1,500 pour les armes. Nous avons 10 armes dans le monde. Nous connaissons, depuis son bagage illicite, côté de plus l'argent, son bagage qui est plus difficile pour régulier. Ça veut dire, pas le gouvernement dans le monde qui a régulier les armes. Mais, ou quand, comment c'est sanctionner les transporteurs? Ou a definitely mette ralenti parce que Guatemala fait, Mexique fait, mais encore. Mais pour Zam, quand il y a là, moi, je vais faire Haïti parce que je veux conteneur. Mais il y a tout conteneur. Il faut nous de patience. Si on fait pays, c'est pour ouvrir toute boîte qui gagne. Mettre que nous plaisons, ça prend temps. Mais son processus, c'est le pays qui a fait. Des amensions qui gagnent, côté gouvernement ici, c'est le gouvernement ici qui peut l'obliger de penser ça. Gagner un scanner. Chaque green scanner ça a coûté $250,000. Ou mettre le côté tout conteneur pour le peser. Ça veut dire et pour processus qu'après elle prend l'autre temps côté conteneur peser, yo passer conteneur en Bali, yo mettre là en balance là. Depuis il gagne n'importe pièce même je l'en ai apporte. L'a détecté en Afghanistan, en Irak, en vont nous venir nous même qui soldats, système ça installé. Parce que, même que vous finissez à chaud, vous finissez à fort, vous passez tout compte de Capuni en bas, ça demande $250,000. Si le gouvernement haïtien est sérieux de ça, c'est eux-mêmes qui ont acheté, qui ont obligé la compagnie qui a fait transport en Haïti pour mettre dans le côté de peser tout compte de vous. Qui a si vous avez un de conteneurs qui passent par chance, ou pas qu'il y a des responsabilités avec tout ça. Encore le gouvernement qui a imposé bateau qui a porté à Haïti pour même adopter le système. $250,000, c'est ce qu'on a fait ça dans un temps. Imposé, si on n'a pas un système ça pour vérifier que vous même yo scan tout le contenu qui a porté à Haïti, vous même non, vous pas recevoir, il y a prétire licence pour fonctionner à Haïti. Mexique ou à campé, la raison qui fait me prétire de Mexique, Mexique te connaît environ, imagine 10-15 000 conteneurs par heure. Mexique est en zone de mort, 2007 à 2012. Eh bien, souvent, dans chaque frontière Mexique, ou après 4 ou bien 5 systèmes ça, pour tout conteneur qui a porté Mexique, c'est le gouvernement Mexique là, qui achète, qui mette dans le bon États-Unis. D'où les États-Unis même, ils ont acheté, mette dans le bon Mexique là, pour contrôler sa rapporté. Ça veut dire, si ils ont payé deux pays faits déjà, mon cher, $250,000 par système, son bagage nous a fait, mon cher.
Alors, ou Joseph, li spécialisé dans la question ZAM. Avant même moi arriver plus loin, je connais si Guerrier du seul, Pierre-Onel René, Bob C, et dans le studio, qui ont une question spécifique pour Joseph. Là, on a parlé de ZAM qui sortit aux États-Unis, ZAM illégal. Donc, ce n'est pas seulement avec les États-Unis nous gagnons relations commerce, relations de transport. Est-ce que ça a pourrait à moins rigueur qui gagne aux États-Unis pour moun pote ZAM par rapport à dans l'autre pays, tant qu'au Canada? Allô? Allô, Wood, vous avez des questions? Ok, oui. Oui, vous avez des questions. Eh bien, si c'est l'ivarier, comme je dis, l'ivarier de État en État, ça veut dire, ou ka nou yaze ou gen zam nan men ou pa ka gen zam nan men ou New York. Pennsylvanie ou ka gen zam ou pou te joun vle, ça veut dire li état pou l'état. Ça veut dire ou gen deuxième amendement constitution États-Unis, tout moun pran prétexte pou yo pote zam aux États-Unis. Deuxième amendement, sou gade paragraphe 3 nan deuxième amendement, il pa di pou tout moun pote zam libre libre. Li di que pou yon militia ki régulier. Ça veut dire m ka gen 5 groupes moun zami m malé on dit l'état moi même non sont milicia que mien l'état pas qu'a dit nous même nous pas qu'a porter n'importe type zame et puis quand bagaille m'tendez mon a dit zame guerre pas des zame qui est les zame guerre toutes zame ces zame toutes zame là pour on seul rêve pour détruire qu'on y a là gagné Canada gagné yon ti mesure qui en pot Canada c'est un pays si que yon aux zame tiré au monde Canada. Depuis mon manufacture qui fait zam là, c'est illégal étant de Canada. Yo ka jwenn procès verbal contre compagnie qui fait zam ça. États-Unis ça pas ka fait parce que compagnie qui fait zam yo gen immunité gouvernement bail. Lexon? Yep. Oui. On t'a pas parlé droit, on t'a pas fait nous coton extrait avec Friendly. Effectivement, Friendly Denis Julien, dans la première partie et intervention, on a parlé sur le type d'exportation que Friendly lui-même a élaboré avec nous. Comment on peut exporter légalement les armes sorties aux États-Unis dans les pays étrangers. On a invité auditeur à cause de ce une déclaration avocat spécialisée dans le crime et l'immigration, Friendly Denis Julien. Depuis 1991, les États-Unis mettent un embargo sur Haïti. De embargo ça pour yon moun qui exporte des armes que depuis 1991 à partir de pays États-Unis ou gen 11 les États-Unis mettent un embargo sur Haïti et exportation temporaire et ou gen exportation et permanente. Ça veut dire que gen des cas côté que moun nan ka besoin sorti à l'autre pays à examen et li connaît li va retourner avec yo et dans d'autres cas et qui c'est cas qui est concerné Haïti a côté moun nan connaît que la voie zam dans l'autre pays et que pays a c'est destination finale zam là. Donc dans sens ça et les États-Unis fait différence yo défini et la loi définit comment ça doit fait et généralement il a parlé de moun kap fè jan de activité sa yo yo rele yo US person. Ça veut dire que yon moun ki son citoyen des États-Unis. Cependant, moun sa ki rele US person la, le yo référé à li pou yon citoyen des États-Unis, li à la fois appliqué à citoyen yo, li à la fois appliqué à l'autre moun ki a vive légalement aux États-Unis. Son terme, c'est ça rele nan anglais a un endroit, yon term of art. Ça veut dire que le yo défini et terme ça c'est pas une définition usuelle qu'on trouve dans le dictionnaire comme que ou prend la donne mais c'est définition légale moi pour cabra. Donc dans ce sens ça et pour une part vous connaissez que et dans le on a fait exportation d'armes qui sont exportation permanente, ça veut dire que pays qu'on peut pas voir là c'est liquide destination finale de zamnan gagne plusieurs agences dans le système américain qui régulent ça. Ou gagne premièrement département d'État, deuxièmement ou gagne département du commerce parce que département du commerce c'est lui qui régule les shotguns et en série de zam bien déterminé. Ou gagne tout
et il y a un directoire, le directoire de contrôle et direction des contrôles commerciaux en matière de défense. Il y a trois agences qui en charge pour réguler l'exportation permanente d'armes à partir des États-Unis. Alors, comment ça fait? C'est que avant que mon voyager avec armes ou bien avec munitions, li doit prendre un permis d'exporter, sauf que dans les rares cas, il y a des gens qui ont exemption, yo exempté yo de permis d'exporter. Et puis, ils ont gagné une forme online que ou rempli qui permet que ou café exportation. Maintenant, leur rempli forme ça, leur arrivé pour café exportation, faut qu'à bail preuve que pays qui cette destination Zamna li autorisé que Zamna aller aux États-Unis. Et le SAP et autorisation ça ou présenter li dans douane by ça ou les Custom and Border Protection qui c'est département de douane et de sécurité frontalière li présenter autorisation qui dit que pays qui cette destination Zamna ou bien munition li té bon autorisation pour voyer bagay ça aller. OK pour exporter. Maintenant exportation temporaire la Konya c'est li beaucoup plus relax. Et par exemple dans exportation temporaire là mon n'est capable mettre et certaines armes et munitions jusqu'à 1000 graines balles dans mallette li qui va passer en bas en avion par exemple. Et le mon n'a fait ça lui même qui ça le gain pour le faire li et bail département douane et sécurité frontalière, les remplir en forme que les formes 4457 et une fois que les remplir en forme 4457 là, les gagnent en licence et le plus souvent le c'est qu'on soit fait ou pas obligatoirement besoin de licence là parce que bon exemption y fait pour mallette qui passe en bas avion et Jean Abdoulaye exemption ça a et exception ça a qu'à couvrir jusqu'à 1000 graines balles et certains autres bagailles. Et maintenant, une fois de plus, yo assuré yo département et comme tu parlais de yo tout à l'heure, yo assuré yo que monna lui-même li pas en contravention avec pays côté que Zamio parlait à. En gros, c'est ça. Oui, Luxon Zaville, c'était Maître Fendley Julien. Alors Fendley Denis Julien t'a parlé de aspect ça que tu raté dans début intervention et pour finir au Joseph. Et comme vétéran dans l'armée qui fait guerre Irak à Afghanistan, qui connaît une question d'armes très bien. Alors, quelle solution selon vous-même qui est possible face à ce problème ça? Comment l'État de pays qui a campé le trafic illégal d'armes qui a sorti aux États-Unis, qui est responsabilité du gouvernement avant de finir, Wout Joseph? Eh bien, solution, c'est volonté. Premier bagaille qui vient pour résoudre un problème, c'est volonté. Le gouvernement Haïti a demandé aide. Assistance à gouvernement Floride là directement dans quatre formations pour policiers et civils parce qu'il pas besoin forcément ces policiers pour prendre formation avec ATF et US Marshal. Encore obliger toute compagnie transport yo pour yo juger nécessaire pour c'est yo même qui prend responsabilité à vérifier pour créer n'importe moyen pour qu'à détecter équipement qui a pris des armes qui a manqué Haïti et puis sanctionner toute violation. Saisir bien, arrêter vagabond et puis depuis que nous gagnons, développer un mécanisme entre DCPJ, ça qu'on a fait sous base locale intergouvernementale. Ça veut dire Port-au-Prince, DDO Port-au-Prince, qui a ouvert une relation police pour police avec Broward County. Si c'est là tout compte dans sorti qui vient minimiser temps l'en partager information.